أعظم ما جاء في الدين هو توحيد رب العالمين، ولا يمكن أن يستغني الناس عن الدعوة إلى التوحيد. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نتابع معكم في فرقة الأولى نشأة في الإسلام. الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec vous, chers frères en islam, toujours dans le premier groupe qui est surgi dans l'islam, le groupe des biens qui est surgi en islam. Nous continuons avec l'histoire de la création, l'origine de la création. Nous continuons. Il est bon de savoir que dans l'histoire de la création de ce groupe Al-Khawarij, les extrémistes, ou bien comme le dit Al-Khawarij, ceux qui rendent les musulmans mécréants, non, par rapport à les grands péchés. Ce groupe, il fut sorti, surgi, en tant que le groupe des Rawafid, qui sont les chiites, en même temps, à la suite d'un conflit qui a opposé le clan de Ali et le clan de Muawiya ibn Abi Sufyan, radiallahu anhuma. Il est bon de savoir que dans cette histoire-là, nous avons parlé de la bataille de Waqatul Jamal, Waqatul de Sufayn. Et après, il y a eu Tahkim. Bain Ali wa Muawiya. Dans ça, il y a beaucoup de mensonges que les gens des innovateurs essayent de salir l'image des compagnons dans ça. Il est bon de savoir. Parce que dans ça, dans Tahakim, lorsque la bataille s'acharnait entre le clan d'Ali qui était nombreux, ceux qui suivaient Ali, et les gens de Irak, et Muawiya, les gens de Cham. Donc, ils se sont affrontés. Alors que tous les deux groupes, c'était des Sahaba, Ridwanullah alayhim, les valeureux Sahaba. Donc maintenant, lorsque la bataille est arrivée, quelque part où il y a eu des morts, le clan de Muawiya, Bissoufia, ils ont soulevé le Coran, Mus'haf du Coran, pour demander qu'on arrête la bataille pour faire retour le Coran pour qu'on puisse juger. Et Ali, radiallahu anhu, a dit, c'est ma volonté, c'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que moi je veux. Pour qu'on s'attende, on juge ce que selon le Coran nous a dit. Et nous allons retourner, nous allons asseoir pour parler. Donc, dans ça, il y a des innovateurs qui profitent dans cela pour dire Ali a fait sortir un sahabi de son côté, qui est Abu Musa al-Ash'ari. Et Muawiya aussi, dans son côté, a envoyé Amr ibn As. Tous les deux, c'est des grands sahabis. Abu Musa est connu pour sa belle lecture du Coran. Et Amr ibn As aussi est connu parmi les grands, parmi les compagnons, qui est très respecté parmi les compagnons. Donc, lorsque Ali a dit Abu Musa al-Ash'ari et Amr ibn As se sont racontés que c'est les deux-là qui vont faire le jugement. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux quand sont d'accord pour cela, pour qu'ils viennent juger entre eux. Niam. Donc, dans ça, ils se sont attendus de fait d'enlever tous les deux clans dans le pouvoir
et pour chercher le, pour laisser la décision aux musulmans de chercher un autre khalifa qui va diriger les musulmans. Puisque les deux ne s'attendent pas, donc il faut dissoudre tous les deux clans pour opter à un nouveau chef. Que lorsqu'ils se sont rencontrés maintenant, tous les deux clans des attendaient maintenant, Abou Moussa al-Ashari, il a parlé, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala et fait la paix et la bénédiction d'Allah sans sur son messager, et il a pris la parole, maintenant il a dit, comme nous avons vu que les deux musulmans se sont affrontés et qu'il y a eu beaucoup de sang qui est versé, et nous voyons que les deux la même doivent quitter, donc on laisse l'affaire aux musulmans de trancher. Est-ce qui doit diriger, qui doit les diriger désormais? Et moi, je prends l'engagement de faire dissous Ali, de Khalifa, et je dissous aussi Muawiyah, qui n'est plus Khalifa. Après cela, Amr ibn As est venu, il a pris la parole, il a remercié Allah, il a fait salat ici le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a prôné pour la paix, il a dit qu'il est d'accord de ce que et Abou Moussa al-Ashari a dit, lui aussi prendre décision que Ali n'est plus Khalifa et que Muawiyah est le nouveau Khalifa. Ça, c'est la parole de beaucoup parmi les innovateurs qui utilisent cela. Et ce que nous retenons ici, c'est que dans ça, on voit que Amr ibn As, il a trahi Abou Moussa al-Ashari de ce qu'ils ont dit. Et il a trahi toute une communauté. Et ça, c'est pas bien qu'on colle ça à un compagnon. Qu'un compagnon va venir, ce qu'ils ont entendu, il va venir dire autre chose. Ça, c'est pas, on peut pas coller ça à un compagnon. Donc, si nous partons dans Al-Bidayah wa Nihaya, nous allons trouver l'histoire et qui s'est passé entre eux. Donc, ce qui est à savoir, il y a beaucoup de divergences sur cette côté, sur ce côté. Mais le fait de parler ici, c'est de donner l'origine de la création, de la surgie de ce groupe égaré qui est Khawari. Parce que c'est ensuite de là que les Khawari se sont retranchés dans un coin qu'on appelle Haroura, comme nous avons dit précédemment. Donc, mais il était bon de savoir, d'éclaircir les musulmans sur cette question avant de passer, pour ne pas qu'il y ait certains musulmans qui vont attendre l'histoire la part d'avoir de certains innovateurs qui vont aller jusqu'à aller diminuer un compagnon et bien rendre un compagnon du messager d'Allah comme quelqu'un qui a trahi la confiance des musulmans et qui a trahi la parole dont ils se sont attendus. Ça c'est faux. Ça, les savants ont montré la fausseté de cette parole-là. Ce qui est vrai dans cette parole-là, ils se sont réunis pour faire le jugement entre les sahabas. Muawiyah et Ali, leurs clans se sont retrouvés puisqu'ils ont vu qu'il y a le sang qui versait beaucoup. Donc, ils ont tous prôné pour aller à la paire, pour apaiser la situation entre eux. Et Ali, c'est ce qu'Ali aussi a voulu, et Muawiyah. Donc, chacun a choisi un camp, un sahabi, un compagnon de son côté là-bas. Donc, Ali a choisi Abou Moussa al-Ashari et Muawiyah ibn Ibn Abi Sufyan, nous laissons choisir Amr ibn As, et ils se sont retrouvés, ils sont d'accord et pour que les musulmans puissent cesser le feu entre eux. Et c'est ce qu'ils ont parlé entre eux, ils ont parlé, les déclins sont d'accord pour le cesser du feu, et ils ont ramené l'affaire maintenant, le Kubar au Sahaba, les grands compagnons maintenant, d'étrancher l'affaire. Et là, il y a eu des discussions sur cette voie pour qu'il y ait l'attente entre les deux clans. Et c'est ce qui est la version la plus vraie parmi cette version. C'est-à-dire les deux compagnons se sont réunis. Bon, on n'a qu'à cesser le feu entre nous. Et on n'a qu'à ramener l'affaire au grand sahabi pour qu'on trouve situation, on trouve solution à cette situation. Parce que Ali, il a été khalifa et on lui a fait baya pour qu'il reste. Il devient khalifa. Et c'est Muawiyah, lui, il a demandé seulement à Ali de chercher les auteurs de la mort d'Ousmane, radiallahu anhu. Les assassins d'Ousmane. Donc, c'est ce que lui, il cherchait. Parce que Muawiyah aussi vient du camp d'Ousmane. Donc, lui, il a vu que vraiment, nous, notre chef est mort par un assassinat. On ne doit pas le laisser comme ça, cette affaire, traîner longtemps. Parce que les malfaiteurs, ils vont infiltrer encore. Et ils ont infiltré jusqu'à mettre les deux clans
Voilà. Donc, voici ce que Mouawiyah cherchait. Ali aussi a dit, dans la désordre, on ne peut pas chercher les auteurs de la mort d'Ousmane. Ici, d'accord, mais d'abord, il faut que l'autorité soit stable et puisse exister. Parce que Ali, il est venu dans Kafouyaï. Dans la mort d'Ousmane, ça a suite maintenant qu'Ali est devenu khalifa. Donc, il y avait la confusion entre les musulmans et Ali demandait qu'on établisse d'abord une sécurité avant de faire. Donc, tous les deux avaient bonne intention. Les compagnons étaient comme ça. Mais le shaitan, Aris Jidan, a mis des discordes entre les deux par la voix de ses khawaris et puis des chiites qui étaient en bas de eux qui cherchaient à mettre leur discorde. Parce que tous ces deux groupes-là, les personnes qui sont converties en islam, sont rentrées dans l'islam-là avec une intention de mettre le désordre entre les musulmans. Et ils ont réussi à mettre ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qui est l'exemple de Abdullah ibn Sabah al-Sawda, ibn Sabah. Donc, lui, il était quelqu'un qui est venu avec cette idéologie qui est que le Khawari sont partis sur son idéologie. Donc, après le Tahkim, il y a des compagnons, il y a des Khawari qui ont refusé. Et ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas accepter cela parce qu'eux, ils voient que Ali, radiallahu anhu, a fait. Kaifakoul a fait le jugement avec des personnes qu'il n'a pas fait avec le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ali, lorsqu'ils se sont retranchés dans un coin qu'on appelle Haroura, Ali radiallahu anhu a envoyé Ibn Abbas. Fa'arsala ilayhim Aliyu Ibn Abbas. Fa'nazarahum. Lorsque Ibn Abbas est parti le voir, il allait faire débat avec lui. Beaucoup d'entre eux se sont retournés. Ibn Abbas radiallahu anhu dit qu'il n'y avait pas de compagnon parmi ceux-là même. Mais il allait les parler, il a réussi à convaincre beaucoup de personnes. D'autres même parlent que 200 personnes qu'il a arrivé. Il est arrivé à les convaincre. Parce que lorsqu'ils se sont retranchés, il y a eu des divergences sur leur nombre. D'autres disent qu'ils étaient 8000 personnes. D'autres disaient 10000 personnes qui se sont retranchées dans un qu'on appelle Haroura. Donc, Ali, radiallahu anhu, lorsque Ibn Abbas est parti les voir, ils n'ont qu'à accepter la parole d'Ibn Abbas de revenir à la raison. Il y a beaucoup de personnes parmi ces Khawarijs qui ont suivi, la majorité a refusé de retourner. Parce qu'ils disaient que Ali, radiallahu anhu, a fait le jugement avec des hommes sans le Coran. Et puis il disait dans les paroles, la hukma illa lillah. Ali radiallahu anhu a dit, kalimatul haqqu yuridu biha batil. Il dit ça c'est une bonne parole, mais ce qui est voulu derrière, c'est le faux. Une bonne parole qui est apparent, mais c'est le faux qui est en bas. Donc c'est comme ça les Khawari avaient brandi leur idéologie, qu'ils cherchaient seulement à faire le jugement avec le Coran. Après, Ali radiallahu anhu est parti les voir. Quand il est parti les voir, en ce moment, Ali partait à Koufa. Et beaucoup de la majorité ont suivi Ali. Et Ali est parti avec eux à Koufa. Dakhalamahu Koufa. Sont rentrés dans Koufa avec eux. Après qu'Ali est arrivé à Koufa avec eux, Summa Ashaou Anna Ali Yataba Minal Fukuma Mana Tahkim. Après, ils ont propagé dans la ville que Ali s'est repenti de Tahkim. C'est-à-dire, Ali, le jugement qu'Ali a fait avec Abu Moussa al-Ashari et Amr ibn Asi, donc, et c'est ça qui est Tahkim, que donc Ali s'est repenti de ça. Et si cela, si ça aussi c'était vrai, donc ça montre qu'Ali même était en erreur, qu'après il s'est repenti. Lorsque Ali a attendu cela, Ali a fait khutba. Il est monté sur Minbar et fait khutba, et puis il a montré que c'est lui, pas lui. Et puis, Ankara Zalika, et il a réfuté cela. Vous dites, lui, il s'est repenti de Tahkim? Non. Ali a fait khutba et il a réfuté cela. Lorsqu'ils ont entendu ça, Fatana, Dao, Minan, Djawan, Imas, ils se sont réfugiés encore à côté de la mosquée là-bas. Donc, ça veut dire que ce qu'ils avaient propagé entre les gens, c'était faux parce qu'ils ont suivi Ali jusqu'à Koufa. Mais lorsqu'Ali a fait khutba pour montrer son désaccord et puis il a réfuté cette parole, ils se sont retranchés encore dans un coin de la mosquée. Et il dit que la hukma illa lillah,
il disait cette parole-là toujours, qu'il n'y a pas de jugement si ce n'est que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ali répondait, Kalimatul haqq yuridu biha batil. Bonne parole, mais le faux est voulu dans ça. Ali a dit, bon, vous avez encore refusé encore d'intégrer la Jama et vous êtes parti vous refuser quelque part. Donc, nous, on va vous dire quelque chose. Ali a dit, il y a trois choses entre nous. Anna la namna'akum min al-masajid. Nous n'allons pas vous interdire de venir prier à la mosquée. Ça, on ne va pas vous interdire ça. Deuxième chose, wala min rizqikum min al-fay. Et lorsqu'on va aller en bataille, on ne va pas vous priver de votre droit dans le butin. Le butin qu'on va avoir dans les batailles, votre droit qui est dedans, on ne va pas vous priver de ça. C'est la troisième chose. Wala nabda'ukum bi-kital. Nous n'allons pas commencer à vous combattre. Nous, ce n'est pas nous qui va vous attaquer d'abord, premier. Ma lam tuhadisu fasadan. Tant que vous n'avez pas mis de désordre, nous, on ne sera pas premier à vous combattre. Donc, voici trois choses qu'il y a entre nous. On ne vous prie pas de venir, on ne va pas vous empêcher de venir prier. On ne va pas vous priver aussi de ce que les musulmans vont avoir lors des batailles, des butins. Vous allez avoir votre part. Et troisième chose, nous n'allons pas commencer à vous combattre tant que vous n'avez pas créé mettre des désordres. Illa anna al-khawai lam yardo bi hada al-ard fa kanat. Donc, ils n'ont pas voulu ça. Ils disent non. Ils ne cautionnent pas ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que dans les choses, toujours, ils voyaient Ali que Ali avait déjà fauté. Donc, Ali n'est plus sur la raison. Donc, ils n'ont rien accepté d'Ali. Et ça va aboutir maintenant à une autre bataille encore, qu'on appelle ça Waqatu Nahrawan. Waqatu Nahrawan, c'est le bataille spécifique d'Ali contre les Khawarij, ce groupe Igari. Ba'da aradahu Amir al-Mu'minin, lorsqu'il les a montré toutes ces trois choses-là, ils n'ont pas voulu cela. Donc Ali, radiyallahu anhu, en tant que Khalif, va le combattre maintenant. Ils sont sortis dans Koufa jusqu'à ils vont aller se réfugier quelque part là-bas qu'on appelle ça Nahrawan. Et c'est dans ce lieu-là qu'Ali va les combattre et ce lieu-là va porter le nom de cette bataille qu'on appelle Waqatu Nahrawan. Et Ali il va sortir contre eux maintenant. Il va réunir les musulmans. Parce qu'avec l'avis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit il faut les combattre. En ce moment, les idéologies est déjà apparues maintenant, est claire maintenant, la position est claire et c'est en conformité avec l'hadith du messager d'Allah. Et les sahabes, les compagnons ont commencé à relater les hadiths qui les blâment. Et Ali, radiallahu anhu, il va commencer maintenant à les combattre maintenant. Bakaratalu wa bakaru, chaque Ali va les combattre, il va tuer beaucoup d'entre eux là-bas, et dans le lieu qu'on appelle Nahrawan. Et beaucoup d'entre eux vont mourir. Donc, l'affaire des Khawarij, elle est finie. Ali voulait finir avec cette histoire une fois pour toutes. Mais, comme vous savez, toujours, quand on va combattre quelque chose, il y a des restants qui vont rester. Donc, le serpent n'est pas mort totalement. Donc, les restants-là, ils vont sortir encore après cette bataille avec les idéologies. Comme vous savez, Al-Shajaratul Khabisatu Lam Tujitasid. Donc une mauvaise arbre là, même si tu la déterres là, toutes ses racines ne quittent pas dans la terre. Donc il y a des restants de Kawari qui sont encore restés après la bataille de An-Nahrawan. Et Ali radiallahu anhu les hadiths que Ali s'est basé dessus pour combattre les Kawari, c'est un hadith qui vient du Sahihin dans Qissatu Zuhwaisara et At-Tamimi. Allez, dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, Zuhwaisara qui a dit à Messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Aidil, fa innaka lam ta'dil. Il dit, oh Messager d'Allah, il faut être juste, ta n'est pas juste. Donc lui, il a fait le khourouj contre le Messager d'Allah. Zuhwaisara. C'est à partir de lui que les Khawarij sont créés. Parce que le messager d'Allah a dit, voilà pourquoi il y a des savants qui disent que les Khawarij, même c'est le premier groupe innové, premier groupe déviant dans l'islam. Et que depuis le temps du messager d'Allah. C'est parce que le messager d'Allah, lorsque Zuhwaisara a dit, le messager d'Allah n'est pas injuste,
que c'est un khourouj contre le messager d'Allah. Il a fait depuis lors là-bas qu'ils ont montré l'idéologie. Khourouj al-a'immat al-muslimin. Ils se révoltaient sur le dirigeant des musulmans. Et le premier dirigeant des musulmans, c'est le messager d'Allah. Et lui, là, il était capable de dire à la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas juste. Ça, c'est des yeux qui ont. Et Omar a demandé, le messager d'Allah se s'est fâché. Il voit, il a dit, et si moi je ne suis pas juste, qui va être juste? Malheur à toi, si moi je ne suis pas juste, qui va être juste? Omar s'est fâché, Omar dit, mais ya Rasulallah, da'ani adribu unuku, ya Rasulallah. Allah adribu unuku, oh messager d'Allah, est-ce que je ne vais pas trancher son cou? Le dit, dans notre riwayat, il dit, c'est Khalid ibn Walid qui a demandé, ou bien les deux mêmes ont demandé, qu'il faut laisser, je vais trancher, je vais couper son cou. Donc, dans notre riwayat, Khalid ibn Walid, c'est lui qui a dit. Donc, tous les deux riwayats sont authentiques, que ce soit les deux mêmes ont dit, ou bien d'autres riwayats sont plus authentiques que d'autres. En tout cas, il y a dans le riwayat de Bukhari qui dit, le messager d'Allah a dit, وَيْلَكَ وَلَسْتُ أَحَقُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهِ فَلَمَّا وَلِّيَ الرَّجُلُ قَالَ خَالِدْ بُنْ وَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَدْرِبُ عُنُقُهُ. Le messager d'Allah dit que malheur à toi, si moi je suis bas, est-ce que ce n'est pas moi qui dois être plus juste que tous les habitants de la terre? Est-ce moi qui ne crains pas Allah que tous les habitants de la terre? Si moi je ne suis pas, qui va être juste? Que lorsqu'il a donné le dos, Qala Khalid ibn Walid a dit, ya Rasulallah, oh Messager d'Allah, ala adribu unuku, est-ce que je ne vais pas aller couper sa tête? Wa qala la, qu'il faut laisser, la Allah an yakuna yusalli. Que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que peut-être qu'il prie. Wa qala Khalid ibn Walid a dit au Messager d'Allah, wa kem man min musalli yakulu bil lisani wa lamma lisa fi kalbi. Il dit, il y a combien de prière qui dit dans sa bouche des certaines choses, mais alors que ce n'est pas arrivé dans son cœur. Donc, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le Messager d'Allah répondit Khalid ibn Walid, il n'y l'am amira an anqiba wa aftisha al anqulub al nasi, que je ne suis pas ordonné de fendre le cœur des gens pour regarder ce qui est dans leur cœur. Voilà, ashuk bitouni boutonihim, et je ne fends pas leur ventre pour savoir ce qui est dedans. Souma un nazar ilayhi wa huwa Mokifu, Aïzahibu, ou bien que nous, on n'est pas obligé de prendre la poitrine ou bien le ventre des gens pour savoir leur sincérité, ce qu'ils disent. Non. Innahu fakala, Monsieur de l'Assa Sallam, lorsqu'il a donné deux, il partait. Aïzahibu, fakala, innahu yakhruju min di'dihi haza akbihi. C'est-à-dire, ça va sortir dans le descendant de ces messieurs-là. Qawm yatlun al-kitab Allah, des gens qui vont lire le livre d'Allah. Ratman la yawizu khanajirim, leur lecture ne veut même pas dépasser leur gorge. Yamurkuna min ad-din, ils sortent de l'islam. Kema yamurku sahmi min ar-ramiya, comme les flèches la sortent de son lance d'une manière rapide. La in adraktuhum, si leur sortie a coïncidé à ma vivant, en ce moment, je suis là, lorsque je vais atteindre les époques, l'actuala n'auront qu'à la Samoud, et je vais les tuer comme les Samoud ont été tués. Donc, il y a un autre royaume, qu'à la Had, comme les Had. Donc, c'est ça, Ali, radiallahu anhu, a dit, le messager d'Allah même a dit qu'il s'il sort à son présence, qui va le combattre, va le tuer comme l'a tué Ad. Donc Ali a essayé de les ramener à la raison. Lorsqu'ils ont refusé, Ali radiallahu anhu les a combattus dans un lieu qu'on appelle Nahrawan. Et il a tué beaucoup d'entre eux. Il voulait finir avec cette histoire de Khawarij. Je vais faire ici. Nous allons vous dire quelque chose. Vous voyez la ténacité et des compagnons à mettre fin à l'innovation. L'engagement des compagnons à mettre fin à l'innovation. L'innovation n'est pas bon. C'est l'innovation qui envoie la division entre les musulmans. Vous voyez, depuis là, on est en train d'expliquer l'origine de la création de ce groupe-là. Parce que toute chose a un début. Le début, c'est d'abord, ils ont désobéi au messager d'Allah. Sorti contre une autorité est banni en islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on ne doit pas sortir contre une autorité, se révolter contre une autorité musulmane. Et ceux-là, ils n'ont pas respecté cela.
Nous sommes allés en désaccord avec les dits du messager d'Allah. Voilà pourquoi il n'y a pas un compagnon qui s'est retrouvé dans leur groupe là-bas. Comme Ibn Abbas a dit, que j'étais content lorsque j'ai vu que dans leur groupe, il n'y a pas aucun compagnon dedans. Eux-mêmes, ils ont combattu les meilleurs des compagnons. Ali, radiallahu anhu, qui est khalif, il dit que Ali est mécréant. Donc, l'innovation commence comme ça. Donc, l'innovation, c'est quelque chose qui est dangereux. Les salafs combattaient les innovateurs et l'innovation. Et aujourd'hui, à nos jours, quand on combat l'innovation et les innovateurs, on pense que c'est exagération. Rien, Ali les a tués, les a combattus. Est-ce que nous allons rentrer dans le camp des chiites maintenant? Et vous allez voir qu'Ali va aller loin, aller brûler d'autres. Pour mettre fin à l'innovation. Parce que l'innovation, là, c'est ce qui envoie la division entre les musulmans. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa tassimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu » Cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah. Ibn Masoud a dit « Le câble d'Allah wa jama'a » Et que ce que vous détestez dans la jama'a est plus meilleur que ce que vous détestez et ce que vous aimez dans la division. Donc la division est bannie. Allah nous a dit « Wa la tafarraqu » Ne vous divisez pas. Restez ferme sur le livre d'Allah et la trace du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Taratuku fikum shay'in, je vous ai laissé deux choses. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Tant que vous êtes cramponné à ces deux choses-là, vous n'allez pas vous égarer après moi. Donc nous disons qu'il est important de connaître l'origine de la création de ces groupes déviants dans l'islam. Et nous continuons. C'est Khawarij, les savants, qu'est-ce que les savants disent? Le jugement des savants sur ce groupe-là, et nous allons finir cette affaire avec ça. Les savants ils se sont divisés sur le cas de Khawarij en trois paroles. Il y a une divergence entre les savants sur le cas de Khawarij en trois grandes paroles. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il fut le mufti général de l'Arabie Saoudite et il est décédé il y a cela des années. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Lui, il a dit dans sa parole que lui, il est pour que les Khawarij sont les koufars, c'est les mécréants. Lui, son jugement, c'est les Khawarij et que les Khawarij sont les koufars. Ils ne sont pas des musulmans, ils sortent de l'islam et parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit sur eux Yamurukuna marikatan anhine min al muslimin ahakiru ahadukum salatahu ma salatihim wa kiratihim ma kiratihim Yamurukuna min al islam kema summa la yauduna ilayhi. Ibn Baz rahimahullah ta'ala s'est basé sur cet hadith-là. Il dit les Khawarij sont des roulats, c'est les extrémistes. C'est des gens qui font excès dans toutes choses. Et donc, lui, il voit que les Khawarij, que c'est des mécréants. Selon ce que le messager d'Allah a dit dans la hadith, que vous allez mépriser vos prières à côté de leurs prières, et vos jeûnes à côté de leurs prières, et vos lectures à côté de leurs lectures. Qu'ils sortent de l'islam, et lorsqu'ils vont sortir, qu'ils ne reviennent plus dedans. ثم لا يعودون إليه. Dans une autre version, يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. Et ils ne reviennent pas dans l'islam. Donc, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, c'est Baz pour dire que les Khawarij sont des mécréants. Et il y a beaucoup de savants qui, un jeune Ibn Baz dans ça, qui dit aussi que les Khawarij sont des koufars. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lui dit dans sa fatwa, il dit fa inna ummata muttafiquna ala zamm al-khawarij wa tadlilihim wa inna ma tanazzaw fi takfirihim ala qawlayn mashhurayn fi mazhab Malik wa Ahmad wa fi mazhab Shafi'i aidan niza'un fi kufrihim wa li hadha kana fihim wajhani fi mazhab Ahmad wa ghayrihi ala tariqati al-ula إهداء أهداهما أنهم بغات وثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلى قتل انتهى كلامه في فتاوى
Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah dans son kitab, célèbre kitab qu'on appelle Fatawa Ibn Taymiyyah. Il y a dans son kitab, là, dans son volume, 28e volume, dans page 518, il dit que la communauté musulmane est en conformité dans pour réfuter les Khawaris. Watadlim, ils sont unanimes sur les égarements. Ils se sont divisés seulement, divergés sur les mécréances. Puis Kaoudeini dans deux paroles, en Mashourin qui est connu. Puis Mazhab Malik wa Ahmad, dans Mazhab de Malik et Imam Ahmad. Ou puis Mazhab Shafi. Aïdan, dans les trois Mazhab, les trois écoles juridiques et jurisprudentes de l'islam, il y a une divergence entre eux aussi, c'est le cas des Khawari. Dans les mécréances. Walihada kena fi wajhan fi madhab Ahmad wa ghayru ala tariqatil ula. Imam Ahmad a deux paroles sur eux. Il y a une parole, il dit que c'est les zigari. La deuxième parole, il dit que c'est le kuffar. Annaum bughad, que c'est les gens, c'est les extrémistes. Wathani annaum kuffar murtadin, que c'est les mécréants, ils se sont apostatés de l'islam. Il y a 12 katloum ittidan, qu'il est permis de les tuer. Et de tuer les prisonniers. Et de le poursuivre aussi suffit. Que si celui qui a un pouvoir sur eux, il se dit qu'elle m'a dit qu'on va les emprisonner comme des ceux qui s'apostasient dans l'islam. Si il se répand, on le laisse. Ou il a, si ce n'est pas répandu, que nous allons le exécuter. Ça, c'est la parole de l'imam. Il y a une parole de l'imam Ahmad qui dit cela. Il y a une parole qui dit que non, ce n'est pas des koufars, c'est des égarés. Imam Malik aussi a deux paroles sur le sujet de Khawari, ainsi que aussi l'imam Shafi. Donc, vous voyez, il y a une divergence entre les compagnons et entre les savants sur le cas de Khawari. Et ici, on va trancher les paroles en trois parties. Premier d'abord, il y a un groupe de savants qui dit que c'est des mécréants. Et ils se sont basés sur les hadiths qui sont relatés à leur sujet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith de Souaïd ibn Ghaflati, qu'a Ali radiallahu anhu, samitu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ali dit que lui, il a attendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il dit Yati fi akhri zaman qawmun hudathahul asnan. Il dit, il y a des groupes qui vont venir vers la fin des temps, qui sont des jeunes, soufa'ul alam, qui ont peu de connaissances. Ils sont ignorants. Yaqouluna min khayri kawlil bariya, ils vont parler des paroles des meilleures des personnes, paroles de la meilleure des personnes. Yamurkuna min islam, ils sortent de l'islam, kema yamurko sahami min arramiya, comme le flèche sort de lance. La yajouzu imanuhum hanajiram, ya yujawizu imanuhum. Que leur foi ne dépasse même pas les gorges. Il dit partout où vous les trouverez, combattez-les, tuez-les. Parce que dans leur combat, il y a le mérite. Celui qui va les combattre, il aura un mérite auprès d'Allah le jour de Yawm al-Qiyama. Un mérite le jour de Yawm al-Qiyama. Donc ça, c'est revenu dans Bukhari et Muslim, ils sont d'accord sur l'authenticité des hadiths. Donc ici, dans ce hadith-là, on parle qu'ils sortent de l'islam et qu'on doit le combattre. Le messager d'Allah dit que celui qui va le combattre, qui va le tuer, aura une récompense du jour de Yawm al-Qiyama. Donc, et ce sont encore ceux qui disent que c'est les mécréants, ils ont fait aussi preuve avec l'hadith de Zou Khouaïsara, lorsqu'il a dit au messager d'Allah qu'il n'est pas juste. Le Seigneur d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu et les sahabas ont demandé de couper sa tête et le Seigneur d'Allah de les laisser qu'il aura une descendance qui vont descendre de lui ils vont sortir de l'islam. Donc avec ça, beaucoup de sahabas sont partis sur les mécréants. Qala Hafiz ibn Hajar jumlatan min al-ulama allazina qalu bi takfir al-khawari kal-bukhari haythu qarnahu bil-mulhidin وأفردهم على المتعاونين بترجمة قال في باب من ترك القتال خوالي لتعلفه ولئلا ينفر الناس عنه
Donc Ibn Hajar, rahimahullah, dans son Fathul Bari, dans 12e volume, page 313, lui dit qu'il y a des groupes de savants qui sont partis sur la mécréance des Khawarij, et parmi ces savants-là, que Bukhari est parmi ces savants-là, jusqu'à Bukhari a fait un bab aussi ça, que celui qui laisse le combat des Khawarij sur le fait de les rassembler, de l'union, pour que les musulmans puissent fuir de eux. Voilà. Donc il a fait un bab aussi ça, et Bukhari a montré dans ce bab-là qu'ils sont des mécréants, parce qu'il est venu dans les hadiths du Messie d'Allah, des paroles qui montrent la mécréance, que le Messie d'Allah dit Yamurukuna min al-Islam, qu'ils sortent de l'islam, walikawli laqtulannahum, et la parole du Messie aussi qui dit que je vais les tuer. Quand la had, comme les had là sont concernés à tuer les had. On fait l'abzimke dans une autre narration, à Samoud, comme les Samoud fut tué. Que alors que les Had et puis les Samoud, on les a tués par rapport à les mécréants. Que le Messie d'Allah dit, il va les tuer, comme façon les Had sont morts, sont tués et les Samoud. Que alors que Bukhari fait preuve ici, vous dites que alors que ces personnes-là, que le Messie d'Allah fait comparaison à eux, ce groupe-là, Had et puis Samoud, qu'ils sont, on les a tués à cause de leurs mécréants. Et encore que le Messie d'Allah dit « Charul Khalki » que c'est le mauvais, c'est le plus mauvais des créatures d'Allah. « Ola yusafu bizarika illa kufar » qu'on ne décrit pas quelqu'un de ça si ce n'est pas un mécréant. Vous dites que « Charul Khalki » mauvais des créatures. Qu'on ne dit pas ça à quelqu'un tant qu'il n'est pas mécréant. Et « Walikawlihe » la parole du Messie d'Allah encore qui dit « Innahum abghadu khalki illallah » qu'ils sont les créatures les plus détestées auprès d'Allah. Donc, si c'est Bukhari montre son jugement, c'est ça que c'est des mécréants. Donc, chef en Islam, la deuxième parole, c'est ce qui les a rendus innovateurs. « Hukm al-hakam al-hukm bi-tabdil khawari wa tafsikihim » Le deuxième groupe de savants dit que c'est des innovateurs et c'est des pervers. Waqitaluhum duna takfirihim. On les combat, mais on ne rend pas mécréants. Liyamon ataku bi shahadatayni, que parce qu'ils ont prononcé les deux attestations. Wa dakhalu fi islam, que parce qu'ils sont rentrés dans l'islam. Wa hadha yamna min takfirihim. Et que ça nous empêche de les rendre mécréants. Ou ilhaqihim biman la yuqirru bizalika, ou bien de les faire, de les comparer à ceux qui n'ont pas dit et qui n'ont pas attesté des assertions de la foi et ils n'ont pas rentré dans l'islam. On ne peut pas les comparer avec ça, c'est-à-dire les mécréants. Amma ijma'uhum ala tabdihim wa tafsihim wa dalalihim wujub al-qitalihim innama kana urfun anhum min takfirihim al-muslimin wa istibahatu dima'ihim wa amwalihim. Donc, ils se sont, ceux qui disent que ce n'est pas des mécréants, mais c'est des innovateurs, ils se sont attendus, ils sont tous unanimes que ils sont des mécréants, on les tue, on les combat, mais on ne les rend pas mécréants. On ne les rend pas mécréants, et par rapport à ce qui est connu entre eux, que un peu l'espace est autorisé. Il est bien, mais cela ne montre pas qu'ils sont mécréants. Donc, ça, c'est la vue de beaucoup de personnes parmi le fondement de la Sunna. Les gens de la Sunna sont beaucoup unanimes, ils sont beaucoup partis sur cet avis. Wazab aksar usuli min al-ahli sunna ila anna khawar yufusakum. Beaucoup de personnes parmi les gens de la Sunna, dans leur fondement, que les Khawari sont les pervers. Wana hukm al-Islam yajri alayhim litalafuzihim bisharatin. Que les lois de l'islam s'appliquent sur eux par rapport à les attestations des assistants de la foi. Et wa mu'azibatuhum mu'azibatihim ala al-arkan islam. Et ils sont sur les cinq pliés de l'islam aussi. Ils sont fermes dessus. وَإِنَّمَا فَسَقُوا بِتَكْفِيرِهِمْ الْمُسْلِمِينَ, qui sont devenus des pervers parce qu'ils rendent les musulmans mécréants. مُسْتَنِدِينَ إِلَى تَعْوِيلِ فَاسِدٍ, en se basant sur des faux interprètes, c'est-à-dire des faux
un tafsir. Ils se sont basés sur ça pour rendre les musulmans mécréants. Parce qu'ils ne se sont pas fait, ils se sont pas retournés à la compréhension des pieds précédents, leurs compagnons. Ils ont compris le Coran selon leur propre compréhension. Donc ils ont donné des fausses interprétations dans le sens du Coran. Ils ont déformé le sens du Coran en se basant sur ça, que ce qui les a rendus des pervers. C'est-à-dire les pervers, les innovateurs. Donc ça, c'est le deuxième groupe parmi les savants qui sont partis sur les perversités et les innovations. Et ça, c'est parti. C'est beaucoup de savants qui sont sur le fondement de la sunna, qui dit que les Khawarij, ils n'ont pas atteint le degré de la mécréance, mais ils sont dans l'islam, mais c'est des innovateurs et des pervers. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et encore, le chef de l'islam dit, fi minhaj sunna, dans ce minhaj sunna, en mimma yadul ala anna sahaba, lam yukafiru khawari. Et ce qui montre que les compagnons ne pas rendu les khawari mécréants en nom qu'en du solon, que parce qu'ils priaient. Khalfahum, qui priaient derrière eux. Wa kayan Abdullah ibn Umar, ki Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, wa ghayru min as-sahaba, yusalluna khalfa najdat al-haruri, ki ils priaient derrière un certain groupe des haruri. وَكَيْنُ أَيْدًا يُحَدِّثُونَهُمْ qu'il a donné des hadiths aussi, وَيُخَاتِبُونَهُمْ qu'il a parlé, excuse-moi, c'est pas hadith, c'est-à-dire qu'il a parlé aussi, وَيُخَاتِبُونَهُمْ, il a parlé, كَمَا يُخَاتِبُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ, comme le musulman parle à son frère musulman. كَمَا كَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بُنْ عَبَاسِ يَجِيبُهُمْ نَجْدَدًا حَرُورِي لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِ يَسْأَلُوا عَنْ مَسَائِلُ وَحَدِيثُ فِي الْبُخَارِي. Il dit encore, Ibn Abbas aussi répondait aussi à leurs appels lorsqu'il les appelait pour leur parler de certaines masaïdes qui étaient un hadith et sur de certaines questions aussi. Il répondait à leurs appels pour éclaircir ces questions-là. Ou hadith sur le Bukhari et l'hadith aussi se trouve dans Bukhari. Wakema, Ajaba, Nafi, Bun Arzaki, An Masaïd Mashouda. وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن حتى يناظر المسلمان وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلهم مرتدين كالذين قاتلوا المسلمين. Lui, les musulmans, le compagnon n'était pas rendu des apostats comme ceux qui sont apostasiés, que Abbakar les a combattus, qui ont refusé d'intégrer l'islam après la mort du Messie d'Allah, et d'autres se sont refusé que le Messie d'Allah est mort, qu'ils sont pris musulmans, Abakar les a combattu, et ceux qui ont refusé de donner la zakat aussi. Donc, Abakar a combattu les Murtadina, que les musulmans ne les ont pas combattus comme ça. Mais souvent, des questions, des certaines questions religieuses, qui traitaient avec eux là-bas. Donc, celui-ci, le compagnon, il répondait à leur appel, et puis il traitait jusqu'à Naf ibn Azra. Dans certaines questions aussi, jusqu'à faire des choses dans le Coran qui venaient s'asseoir avec eux, qui discuter à eux pour leur donner la vraie version. Donc, sur ça, le chef de l'islam a montré dans son kitab Minhaj Sunnah que les compagnons n'ont pas rendu les Khawarij mécréants, mais qu'ils étaient des pervers. Parce qu'ils sont, ils ont perverti avec leur mauvaise compréhension des textes et comme leur mauvaise application aussi des textes aussi. Donc, troisième parole que nous allons nous arrêter, c'est ça, Inch'Allah Ta'ala, est à Tawakuf. Troisième groupe parmi les savants, ils ont fait Tawakuf, en Takfir et Khawarij, et ils se sont abstenus de leur rendre mécréants. Donc, ma zakarna anna annahu ghalib ala Imam Ahmad. Donc, il y a beaucoup de personnes sur ça, ils sont bâtis. Et c'est la vie de l'imam Ahmad. Donc, d'autres disent que non, ils se préservent de les rendre mécréants. Ce sont abstenus. Donc, ça, c'est le troisième groupe, troisième avis parmi les avis des savants sur la question de Khawarij. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Si je suis chef en islam, nous allons nous arrêter ici. Et les savants qui se sont abstenus de les rendre mécréants, il y a Qadi al-Iyad, wa qal tawakkafa, kabla ou Qadi Abu Bakri al-Baklani. Qadi ibn Iyad, il s'est abstenu de faire jugement sur les Khawarij. Et avant lui aussi, Abu Bakri al-Baklani, lui aussi, il s'est abstenu aussi. ولم يسر القوم بالكفر
il n'a pas divulgué la mécréance des Khawarij. Et Zalika et d'autres savants aussi, parmi ces savants-là, qui se sont abstenus de faire le jugement sur les Khawarij. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ça, tu vas le trouver dans Al-Khilal fi Sunnah, dans page 145. Et tu vas trouver les savants qui sont abstenus de rendre les Khawarij mécréants. Sur ce, nous allons arrêter ici. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. واشكر حماة العلم واعرف قدرهم واحذر سبيل مجرح فتاني والزم سبيل السالفين فإنهم نور يدل التائه الحيران.